Bonjour et bienvenue dans cette méditation pour vous aider à libérer vos émotions. Je m'appelle Aurélia Riquebuche et je suis thérapeute holistique. Je vous accompagne dans la guérison de vos blessures émotionnelles, vos traumatismes du passé. Je vous aide à libérer en profondeur la racine de votre mal-être pour vous aider à faire la paix avec votre corps et avec la nourriture. Je vous invite à vous installer confortablement, assise ou allongée, si vous êtes sûr de ne pas vous endormir. Prêtez attention à votre souffle, à votre respiration naturelle, à cet air qui remplit votre corps et nourrit vos cellules, et à cet air lors de l'expiration qui évacue toutes les toxines, les pensées négatives, les soucis. Prêtez attention aux muscles de votre corps qui se détendent progressivement. Vous pouvez ressentir une sensation de pesanteur ou encore de légèreté. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ni de bon ou de mauvais ressenti. Il y a juste ce qu'il y est pour vous. Je vous invite maintenant à visualiser une magnifique lumière blanche venir du plus loin possible au-dessus de votre tête, de l'univers, du cosmos. Et cette lumière rentre par le sommet de votre tête, traverse tout votre corps, au niveau de votre colonne vertébrale, et remplit votre corps de lumière blanche, douce et bienveillante. Cette lumière ressort par votre entrejambe et s'enfonce dans la terre, au plus profond de la terre, jusqu'au centre de la terre, et vient se connecter au noyau de notre terre-mère. Elle peut ainsi puiser toute la force et l'énergie de cette terre qui remonte par ce tuyau de lumière blanche pour venir nourrir votre corps et toutes vos cellules jusqu'à votre ADN. Et cet échange d'énergie entre la Terre et le cosmos se fait en continu, régulièrement, pour nourrir toujours plus en profondeur votre corps, votre cœur et votre esprit. Quand vous vous sentez pleinement apaisé et connecté, je vous invite maintenant à visualiser une forêt luxuriante, une forêt équatoriale. Peut-être voyez-vous des bambous, des arbres gigantesques, des lianes, des fougères. Peut-être entendez-vous le bruit des oiseaux. Peut-être même voyez-vous un chemin se dessiner dans la forêt et vous invitant à rentrer en elle. Si vous voyez ce chemin, empruntez-le et immergez-vous dans cette forêt luxuriante. Cette forêt bienveillante qui vous inspire la paix et la joie. Vous êtes en sécurité dans cette forêt. Vous pouvez même entendre des bruits d'animaux. Peut-être même que vous voyez des singes grimper aux arbres et vous suivre gaiement. Continuez votre chemin jusqu'à arriver à un temple.
Regardez comment est construit ce temple. À quoi ressemble-t-il? Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, de logique ou de l'illogique. Juste un temple, celui qui vous vient là maintenant. Cela peut être un temple chinois, un temple balinais, un temple hindou, maya, ou que sais-je encore. Et ce temple vous est familier. Vous y dessinez une porte et vous ressentez ce besoin irrépressible de rentrer à l'intérieur de ce temple. Je vous invite à rentrer par cette porte, dans ce temple. Et même s'il y fait très sombre, il y règne une douce lueur scintillant tout autour de vous, qui vous rassure et vous apaise. Vous vous sentez chez vous en sécurité. Et plus vous avancez dans ce temple, et plus vous commencez à percevoir le bruit d'une cascade. Vous entendez nettement le bruit de l'eau qui s'écoule, comme un bruit de fond, qui devient de plus en plus fort au fur et à mesure que vous avancez dans ce temple. Vous commencez à ressentir sur votre peau la fraîcheur et l'humidité. Peut-être même que vous commencez à voir des petites gouttelettes d'humidité sur votre peau qui pourraient former une forme de pellicule blanchâtre sur vos bras, vos jambes, vos mains. Et plus vous avancez, plus vous vous apercevez que vous entrez en contact de cette cascade, car elle est partout autour de vous. L'eau coule et ruisselle du plafond. Un plafond peut-être que vous ne voyez pas, mais que vous devinez, et par lequel s'écoule l'eau, sous forme de gouttelettes, parfois de cascades un peu plus importantes. Mais l'eau est partout autour de vous. Vous pouvez marcher, vous laisser arroser par cette cascade. Repérez un endroit où vous auriez envie de rester là un moment. Peut-être juste en dessous d'une pluie fine ou d'une cascade plus forte. Trouvez juste l'endroit qui vous plaît et arrêtez-vous. Vous pouvez choisir de vous asseoir en tailleur sur le sol ou encore de rester debout. Et restez là un moment en fermant les yeux et laissez-vous asperger de cette eau miraculeuse. Car cette eau qui descend du plafond de ce temple est là pour vous libérer. Cette eau est là pour vous purifier, pour nettoyer tout ce qui n'est plus, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Tout ce qui ne vous appartient plus. Cette eau ruisselle sur votre peau, sur votre tête, votre visage, votre cou, votre torse, votre ventre, sur votre dos, vos fesses, vos cuisses, jusqu'au bout de vos pieds. Mais cette eau a aussi la capacité de rentrer à l'intérieur de vous, par votre chakra couronne, juste au-dessus de votre tête.
Cette eau purificatrice traverse ce tube de lumière qui passe par les 7 chakras de votre corps. Cette eau commence par nettoyer toutes ces pensées négatives, ces doutes, peut-être même votre ignorance. Puis elle s'écoule au niveau de votre troisième œil pour vous donner un regard plus clair. Elle arrive ensuite au niveau de votre gorge et elle dissout toutes les difficultés que vous pourriez avoir à exprimer vos émotions. Elle rend votre parole plus audible, plus claire. Cette eau vient maintenant nettoyer votre cœur, toute la tristesse et la déception qu'il a pu accumuler depuis tant d'années. Et par là même, cette eau vous aide à remplir votre cœur d'un amour inconditionnel. Cette eau arrive maintenant au niveau de votre plexus solaire et nettoie votre orgueil, la prétention, tout ce qui vous a empêché d'exprimer, de libérer vos émotions par le passé à cause de cet orgueil. Cette eau continue ce chemin à l'intérieur de vous jusqu'à votre chakra sacré et vous aide à purifier, à nettoyer toutes vos pulsions, vos désirs, vos peurs, pour les rendre plus justes, plus douces pour vous-même. Enfin, cette eau arrive au niveau de votre chakra racine et vous aide à nettoyer tous les liens d'attachement que vous avez pu créer de par toutes ces émotions que vous avez gardées en vous. Cette eau vous fait un bien fou. Toutes ces émotions cristallisées en vous, tous ces blocages émotionnels s'écoulent au fur et à mesure que l'eau coule sur votre peau et à l'intérieur de vous-même. Cette eau purifie tout sur son passage et nettoie votre plan émotionnel, votre plan physique, votre plan mental et votre plan énergétique. Et cette eau s'écoule au niveau du sol. Si vous la suivez, vous verrez qu'elle se dissout directement dans la terre, car c'est notre terre-mère qui transmute ce qui est négatif. C'est notre terre-mère qui recycle et qui transforme ce qui est négatif pour nous en quelque chose de plus positif et plus juste pour vous-même et aussi pour notre planète. Vous pouvez décider de rester encore un moment sous cette cascade d'eau, si cela vous fait du bien. Si vous avez le sentiment que cette eau purificatrice vous a aidé à vous décharger de toutes ces émotions cristallisées, que vous vous sentez plus légère, plus apaisée, plus sereine, alors remerciez cette eau de ce magnifique cadeau qu'elle vous a apporté aujourd'hui. Remerciez-vous de vous être donné l'autorisation de rentrer dans ce temple et de prendre ce moment pour vous. Et maintenant, je vous invite à sortir du temple en reprenant exactement le même chemin que vous avez emprunté.
Peut-être même commencez-vous à voir la lumière du jour à travers la porte du temple. Peut-être que maintenant vous voyez la forêt par laquelle vous êtes arrivé. Vous pouvez peut-être dire au revoir aux oiseaux qui vous ont accompagné jusqu'ici, qui vous ont montré le chemin. Aux singes qui vous ont suivi de liane en liane. Peut-être même à une panthère. Puisque tout ici, dans cette forêt, n'est que sécurité et bienveillance. Plus vous avancez dans cette forêt, sur ce chemin, et plus vous reprenez contact avec l'environnement, votre environnement physique, peut-être la chaise sur laquelle vous êtes assise, ou le sol sur lequel vous êtes allongé. Vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vos mains, vos pieds, à bouger votre tête. Peut-être même que vous avez envie de bâiller. Peut-être que des larmes ont besoin de sortir également. Alors laissez-les couler. Puis quand vous vous sentirez prête, vous pourrez compter de 10 à 0. Et à 0, vous pourrez ouvrir les yeux. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bienvenue et belle journée à vous.